Évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce porte-avions?
Je suis en train de refaire une. Non, je dis parce que ça. Bonjour madame. Ils arrivent. Merci madame la présidente. Faux cul. Mais quel fou. Alors, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, salut. En cette année 1456, c'est avec honneur
et reconnaissance que nous, représentants de la loi de Genappe, saluons votre décision d'accueillir le noble dauphin Louis, dit roi de France, en notre jeune ville, Genappia, Nova. Et voici un siècle par le duc de Brabant, au port de notre rivière fictive. Ce domaine ducal, porté par le château de notre duc de Tignanche, au titre du duc de Basse-Montarésie, outre notre vaste vivier alimenté par les villes, notre ville et le château de notre duc sont un relais idéal pour le dauphin Louis, passionné par la chasse. Nous, inhabitants de Genappia Nova, bénéficions de la charte 1303 consacrée aux droits des espins. Il en ressort que Genappia Nova a une particularité, Monseigneur. Elle dispose de deux cours, la haute cour féodale, composée d'hommes de fait, compétente pour toute la région du Duché de Brabant. Je vous représente, Monseigneur, et qui siège au château. Mais nous avons aussi le cours et tribunal. La loi de Genappe, et voici deux siècles, est renouvelée régulièrement, siégeant en Suisse. Genappia Nova est aussi le 14e siècle chef-lieu de l'une des mairies du quartier de Bruxelles, qui étend sa juridiction jusqu'à la centre, sur plus d'une vingtaine de communes. Notre ville et village, les enfants, mais aussi les comédies de Brabant, jusqu'en porte. Notre charte est la tradition du ministre Béant dans l'administration et la direction de notre bonne ville aux deux personnages. Thank you.
dans ton visage. Bien évidemment. Et on ouvre la bouche. Là, je peux... Oui, il va retirer son casque, il les met vraiment en dessous. Voilà. Et on ouvre la bouche. Voilà, parfait. Voilà. Okay. Vous avez entendu la, les consignes? Parfait. Ne bouchez pas vos oreilles. Mettez vos mains comme ceci. Voilà. C'est le nombre de chocs qu'il faut arrêter. Si vous bouchez vos oreilles, vous allez avoir de la chute. C'est le nombre de chocs qu'il faut arrêter comme ça. C'est comme ça. C'est la pomme qui fait la commande. En attendant, messieurs dames, pour le tir d'artillerie, quand vous entendrez les mots coup de feu, vous vous mettrez les mains devant les oreilles. Devant et on ouvre la bouche comme un poisson. Oh, my God.
Allez, fais-le.